Mais suite à cette commande, en fait, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la senteur du nouveau gel douche d'édition illimitée, limitée, qu'ils ont sorti pour cet été. Et du coup, j'ai eu envie de commander d'autres produits de la gamme et j'ai regardé ce qu'ils ont fait sur le site et il y avait quelques petites promotions. Donc voilà, j'en ai profité et je me suis fait une petite commande où j'ai commandé 4 produits de la nouvelle gamme et du coup, j'ai eu un produit en cadeau. Voilà, c'est plutôt sympathique. Donc on commence tout d'abord par cette petite brume pour les cheveux, donc elle est parfumée, le flacon se transforme. Non, se présente comme ceci, il est vraiment très joli. Et ça sent vraiment super bon quoi. Oh là là, mon dieu. Et en plus ça rafraîchit et ils sont trop bons. Et... Oh, oui. Il est vraiment très beau. Et il sent vraiment très bon. Donc c'est une petite brume, c'est une 100 ml, voilà. C'est toujours de la marque, enfin de la gamme Maracuja, voilà. Mais c'est bien une édition limitée. Donc normalement c'est pour les cheveux, mais je pense que ça peut aussi aller... Oui, je pense que ça peut aussi aller, voilà, comme ça, quoi. Vous en mettez un coup. Voilà. Ça peut remplacer le parfum en été, parce que vous savez que le parfum est très mauvais en été, il brûle la peau. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il était à, je vais vous dire, je l'ai pris, à la base il était à 14,90€ et je l'ai eu à 50%, donc à 7,45€. Donc autant vous dire que 15€ de là-dedans je l'aurais pas mis, à 7€ oui je le prends. Ensuite, pour continuer dans cette gamme, j'ai craqué pour la gelée hydratante, donc c'est celle-ci. C'est une 200 ml, donc c'est déjà un grand format. Le packaging est vraiment trop beau. C'était bien ce que je disais, des couleurs flashy, du jaune, du rose, enfin tout ce qu'on aime pour l'été. Donc voilà, c'est celle-ci. Et pareil, elles sont super bonnes. Et elle est facile à appliquer, elle hydrate bien. Elle laisse un parfum, mon dieu, oh, j'adore. J'adore. Pourtant, c'est pas des senteurs qui, a priori, à première vue, pourraient me plaire comme ça, mais. Ça, j'adore. Donc, la gelée hydratante était à la base à 5,90€. Je l'ai eu à 2,95€. Donc, on dit merci Yves Rocher, quoi. Et voilà. Ensuite, toujours dans la même gamme, j'ai pris l'exfoliant végétal pour le corps. Pareil, le packaging est vraiment très beau. Ça me fait un peu penser à... Ouais, c'est moi qui suis folle. Mais ça me fait penser à comment? À Jurassic Park. Mais la fille, elle est perdue. On parle de l'été de beauté, moi je te parle de Jurassic Park, mais oui. Donc c'est celui-ci. J'aime beaucoup les gommages pour le corps, enfin les exfoliants pour le corps d'Yves Rocher. Il se présente comme ceci, je ne sais pas si vous verrez, il y a des petites billes dedans. Et il gomme tout en douceur. Et il sent bon. Moins que l'autre, j'ai l'impression. Mais il sent bon. Donc je vais pouvoir me faire un rituel avec cette petite gamme là. Et ça c'est plutôt cool. Et dernier produit de la collection que j'ai acheté, c'est le vernis. Vous savez à quel point je suis fan de ces petits vernis. Voilà, il est juste magnifique. Des vernis comme ça d'Yves Rocher, j'ai une grande collection de ceux-ci. Et là c'était donc celui qui était en édition limitée. C'est... le 95 or ensoleillé, voilà. J'espère que je ne l'ai pas déjà. C'est un petit quelque chose. Bref, il est vraiment magnifique. Mais c'était marqué nouveauté, donc je ne pense pas que je l'ai déjà. Donc voilà, ça c'était les 4 produits de cette gamme-là. Je pense que c'est tout ce que je commanderais, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre de la gamme-là. Hormis du maquillage, mais ça m'intéresse moins. Et en cadeau, j'ai eu ce gommage végétal à l'abricot que j'avais déjà. D'ailleurs, vous allez voir, dans mes produits finis, je vous ferai... prochainement, il faut que je prenne le temps de le faire. Et je l'avais fini et je l'adore. Et j'étais prête à m'en racheter un, mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit, on va peut-être l'avoir en cadeau comme la première fois. Et là, c'est revenu en cadeau. C'était soit ça, soit il y avait une crème ou alors un vanity. Et le vanity, je l'ai déjà, la crème, j'en ai encore à finir, donc non. Et du coup, j'ai pris ça. Et pareil, il est très bien, il sent bon l'abricot. Celui-là, je l'aime bien aussi. Et j'ai eu 3 petits échantillons, donc j'ai voulu tester. Le fond de teint pur parfait, zéro défaut, voilà celui-ci, j'ai encore jamais testé.
J'ai voulu tester la nouvelle crème hydra, enfin le gel crème hydratation non-stop 48 heures, c'est la Hydra Végétale. C'est la nouvelle gamme qu'ils ont fait, je ne l'ai pas testée, j'aimerais bien la tester. Et j'ai pris l'eau de toilette, parce qu'évidemment il y a l'eau de toilette qui va avec. Mais j'ai déjà pas mal de parfums à finir, donc j'ai hésité à me la prendre. Mais du coup j'ai demandé un petit échantillon pour la tester. Donc voilà, cette petite commande, j'en ai eu en tout pour... je ne vous ai pas dit, le gommage était à 4,95€, le vernis à 1,95€ et j'en ai eu pour 17,30€ en tout. Donc voilà, les frais de port étaient gratuits, je crois. Et donc du coup, ben, j'ai eu ça en cadeau. Et dans le colis, il y avait cette petite carte qui est vraiment trop choupinou. C'est une publicité pour un de pour des box qu'ils font. Voilà, c'est pour les box qu'ils font. Mais la carte, je l'ai trouvée tellement mignonne que je me dis, dans un petit cadre, ça peut faire super chouette. Et j'avais un autre, j'ai un code promo, enfin une offre de bienvenue sur Petit Bateau. Voilà, si vous voulez, je vous donne le. Je vous mettrai le code en barre d'infos, c'est moins 25% du 1er mars au 5 juin. Si ça peut intéresser du monde, voilà. Donc c'est tout pour ce haul Yves Rocher. Voilà. Je pense qu'il n'y en aura pas d'ici un moment de Yves Rocher. Là, je pense que j'ai assez fait de commandes chez eux. Je vous dis, n'hésitez pas à me dire quel produit vous avez aimé, si vous avez testé cette gamme, si elle vous plaît. Je sais qu'il y en a quelques-uns sous ma précédente vidéo haul Yves Rocher qui voulaient les tester, donc dites-moi si vous l'avez fait. Je vais attendre encore un petit peu l'été pour la tester, pour que ça, voilà, ce soit vraiment pour l'été. Parce que vu que j'ai la gamme quasiment complète, ça va être chouette pour faire des routines cet été. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter en me disant quel est votre produit coup de cœur, si vous avez déjà essayé, si vous voulez tester, enfin bref. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager cette chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !